Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Nous étudions le cinquième chapitre consacré à la physiologie de la femelle cyclique chez les mammifères. Dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la première partie du chapitre 5, je vous avais présenté l'activité de l'ovaire dans sa production de follicules. Nous avions vu les étapes de la folliculogénèse conduisant des follicules primordiaux aux follicules mûrs. Je vous avais présenté également l'ovogenèse, le processus de maturation à partir de l'ovogonie, puis de l'ovocyte 1 jusqu'au stade ovocyte 2 qui est le gamète femelle. Je vous avais présenté le processus d'ovulation qui est le processus d'émission par le follicule mûr d'un ovocyte 2. Je vous avais également parlé de la formation du corps jaune par transformation du follicule rompu. Puis je vous avais parlé de l'évolution ultérieure du corps jaune, notamment sa régression en l'absence de fécondation. Nous avions aussi vu qu'il existait des espèces à cycle menstruel, comme la femme, et des espèces à cycle estrien, comme la rate. La deuxième partie du chapitre 5 est consacrée à l'activité endocrine de l'ovaire, c'est-à-dire à son activité de production d'hormones. Nous verrons que le follicule, mais aussi le corps jaune, sont capables de produire des hormones, notamment de l'estradiol, de la progestérone. Je vous présenterai dans cette vidéo l'évolution des taux de sécrétion des hormones ovariennes au cours du cycle menstruel chez la femme, estrien chez la rate. Et puis nous verrons enfin le mode d'action de ces hormones stéroïdes. Et nous verrons les actions de ces hormones stéroïdiennes sur un certain nombre d'organes cibles, comme par exemple l'utérus, le vagin. Et ce sera l'occasion de vous montrer que le cycle des hormones ovariennes détermine la cyclicité du fonctionnement de certains organes, comme par exemple l'utérus et le vagin. Nous verrons le cycle vaginal, le cycle utérin. Dans la première partie de cette vidéo, on va s'intéresser à l'activité endocrine du follicule, puis ensuite à l'activité endocrine du corps jaune. Et donc on va démarrer par l'activité endocrine du follicule. On est ici en phase folliculaire, on va se situer dans un follicule en fin de maturation, et je vous rappelle que dans le follicule, il existe deux types de cellules, les cellules de la granulosa et les cellules de la teck interne. Premier point, quelles sont les deux hormones stéroïdes sécrétées par l'ovaire? Eh bien, ces deux hormones stéroïdes sont principalement les estrogènes, dont la forme la plus active est l'estradiol, donc avec deux fonctions alcool, qui sont bien positionnées ici sur la formule de cette molécule. Et puis, vous avez un deuxième type d'hormone stéroïde qui est la progestérone, donc le sigle P4, avec cette fonction cétone dont on a déjà parlé. Sur ce schéma, voici présentés les deux types de cellules stéroïdogènes du follicule, les cellules de la teck interne et les cellules de la granulosa. On se souvient que la lame basale de Slavjansky sépare ces deux types cellulaires. Ces deux types de cellules sont stéroïdogènes, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de réticulum endoplasmique lisse, des mitochondries à crête tubulaire, et elles ont des enzymes impliquées dans la synthèse des hormones stéroïdes. Notamment, ces deux cellules sont capables, à partir du cholestérol, mentionné ici par CHO, de synthétiser de la progestérone. Ceci met en jeu un certain nombre d'étapes, notamment une étape importante dans la mitochondrie que nous avons traitée quand nous avons vu ensemble l'activité des cellules de Leydig dans le testicule. Donc ces deux types cellulaires sont capables de fabriquer de la progestérone à partir du cholestérol. Par contre, seules les cellules de la teck interne sont capables d'assurer la conversion de cette progestérone en androgène, car les cellules de la teck interne
sont les seuls ici, parmi ces deux types cellulaires, à posséder une enzyme importante que nous avons vue, qui est la 17-alpha-hydroxylase. Donc, les cellules de la teck interne seront capables de convertir la progestérone en androgène. Par contre, les cellules de la granulosa ne possèdent pas la 17-alpha-hydroxylase et ne peuvent donc pas convertir cette progestérone en androgène. Les androgènes produits par les cellules de la teck interne, essentiellement de l'androstène d'ion et de la testostérone, vont diffuser des cellules de la teck interne vers les cellules de la granulosa. Attention, ici, ces hormones ne passent pas par le sang, hein, c'est en fait une communication paracrine entre teck interne et granulosa. Ces androgènes vont rentrer dans les cellules de la granulosa. Vous vous souvenez que les androgènes, comme tous les stéroïdes, sont capables de traverser les membranes. Et après diffusion des androgènes dans la granulosa, ce sont les cellules de la granulosa qui vont assurer la conversion des androgènes en estrogènes. En effet, les cellules de la granulosa possèdent une enzyme qu'on appelle l'aromatase et qui est responsable de cette conversion androgène en estrogène. Et ce sont ces estrogènes ensuite qui seront libérés par les cellules de la granulosa. Finalement, quand on regarde l'activité de ces deux types cellulaires, on peut observer qu'il existe une collaboration métabolique à l'intérieur du follicule, mettant en jeu une complémentarité fonctionnelle entre ces deux types cellulaires. Et on peut faire une comparaison avec ce qu'on avait vu dans le testicule, puisque nous avions vu dans le testicule que les cellules de Leydig produisaient des androgènes et que ces androgènes pouvaient diffuser dans les cellules de Sertoli et que les cellules de Sertoli possédaient une activité aromatase qui permettait d'obtenir un petit peu d'estrogène. Donc vous voyez, on a ici une ressemblance aussi avec les deux types cellulaires majeurs du testicule, qui étaient les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Alors on peut noter que le follicule ne produit pas uniquement des hormones stéroïdes, comme la progestérone et les estrogènes, mais le follicule peut aussi produire des hormones de nature protéique. Et sur ce schéma, sur lequel on reviendra quand on évoquera les régulations de l'activité ovarienne, je vous ai fait apparaître ici une protéine qu'on a vue dans le précédent chapitre, qui est l'inhibine. L'inhibine, c'est une hormone de nature glycoprotéique qui est produite aussi par les cellules de la granulosa. Et on aura l'occasion d'évoquer les rôles, notamment paracrine et endocrine, de ce composé. Le deuxième volet dont je voulais vous parler concernant l'activité endocrine de l'ovaire, c'est l'activité endocrine des cellules lutéales, c'est-à-dire des cellules constitutives du corps jaune. Vous vous souvenez qu'au moment de l'ovulation, le follicule rompu s'est transformé en corps jaune et que les cellules de la granulosa et les cellules de la teck interne se sont converties en un type cellulaire nouveau qui est la cellule lutéale. Et on a vu que chez la femme, il y avait encore une petite distinction géographique entre ces deux types cellulaires, les anciennes cellules de la granulosa et les anciennes cellules de la teck interne. Mais chez la plupart des espèces, les deux types de cellules se mélangent pour former la catégorie nouvelle que sont les cellules lutéales. Alors ces cellules lutéales, ce sont des cellules stéroïdogènes, hein, des cellules capables de produire des hormones stéroïdiennes, et notamment chez toutes les espèces, hein, le principal produit de sécrétion des cellules lutéales est la progestérone. Et du coup, souvent, dans les courbes que nous aurons à interpréter, eh bien, l'évolution des taux de progestérone reflète parfaitement l'évolution du corps jaune qui produit cette hormone. Alors, par exemple, chez la brebis, eh bien, les cellules lutéales, aussi bien celles qui proviennent de la granulosa que celles qui proviennent de la teck interne, produisent essentiellement de la progestérone. Chez la femme, les cellules lutéales sécrètent non seulement beaucoup de progestérone, mais elles sécrètent aussi des quantités assez élevées d'estrogène. Et donc on aura aussi de l'estradiol produit par le corps jaune chez la femme, mais ce n'est pas vrai chez tous les primates. Par exemple, chez le macaque rhésus, la sécrétion d'estradiol par le corps jaune est extrêmement faible.
Notons que le corps jaune va également être capable de sécréter des hormones non stéroïdiennes. Et notamment, je vous donnerai ici des exemples chez la femme. Par exemple, les cellules lutéales vont fabriquer et libérer une hormone de nature peptidique qui est l'ocytocine. On verra d'ailleurs aussi que le corps jaune de la brebis fabrique de l'ocytocine. Et puis le corps jaune peut également produire des hormones de nature protéique. Le corps jaune peut produire de l'inhibine, on le verra chez la femme par exemple, et également chez la femme, le corps jaune peut produire une hormone qu'on appelle la relaxine, qui joue un rôle dans la gestation et dont on aura l'occasion de reparler quand j'évoquerai avec vous la parturition. Après avoir vu la nature des hormones produites par le follicule puis par le corps jaune, nous allons décrire l'évolution des taux de sécrétion des hormones ovariennes au cours du cycle sexuel. On va regarder d'abord en phase folliculaire, ensuite en phase lutéale, et on mènera une comparaison entre la femme et la rate. Donc tout d'abord, la production d'hormones pendant la phase folliculaire, et nous allons voir que c'est l'estradiol qui domine pendant cette phase. On va démarrer ici avec la phase folliculaire chez la femme, et c'est ce que j'ai encadré en rouge ici sur ces profils de sécrétion des hormones ovariennes. Alors concernant tout d'abord l'estradiol, dont la courbe est mentionnée ici par un trait plein, eh bien on voit qu'il y a une élévation progressive de la concentration sanguine d'estradiol pendant la phase folliculaire. Cet estradiol est produit en fait par les follicules cavitaires en croissance. Et donc le profil de sécrétion des estrogènes reflète la croissance des follicules cavitaires au cours de la phase folliculaire. On observe notamment que cette production d'estradiol augmente plus rapidement en fin de phase folliculaire. C'est ce qu'on appelle la montée préovulatoire des estrogènes. Et cette production d'estrogènes par le follicule va atteindre ici un maximum environ 2 jours avant l'ovulation. Notons que la progestérone n'est pratiquement pas produite pendant la phase folliculaire. En fait, nous l'avons vu, la progestérone produite par les cellules du follicule est en fait convertie en un estrogène par les cellules de la granulosa. Une deuxième hormone est à mentionner, c'est l'inhibine, qui est ici indiqué avec ces petits tirets. Alors on voit aussi que la production d'inhibine augmente au cours notamment de la seconde partie de la phase folliculaire. En fait, cette inhibine elle est produite par le follicule et l'augmentation des taux sanguins d'inhibine traduit également l'augmentation de la taille folliculaire. On va faire la comparaison maintenant avec les profils de sécrétion des hormones chez la rate. Et je vous ai encadré ici en rouge la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie qui se situe avant l'ovulation, donc pendant la phase de maturation de follicules. Alors on va retrouver une augmentation de la production d'estradiol qui est mentionnée par les longs tirets ici. Donc augmentation de la production d'estradiol par les follicules en fin de maturation pour atteindre un maximum au milieu de la journée du proestrus. Donc comme chez la femme, on a un pic d'estrogène qui est un pic qui précède l'ovulation. On verra par la suite le lien entre ces pics d'estrogène et l'ovulation. Notons également chez la rate qu'il y a une augmentation de l'inhibine. Donc l'inhibine, c'est ce type de hachure ici, on a une augmentation de l'inhibine produite également par les follicules matures avec un pic d'inhibine vers la fin du proestrus, c'est-à-dire au moment où la phase des chaleurs va démarrer chez la rate. Enfin, notons, c'est secondaire, mais indiqué aussi avec ces figurés, la progestérone, on voit qu'il existe, comme pour l'inhibine, un pic de progestérone à la fin du proestrus. Alors cette progestérone est en fait probablement produite par les glandes surrénales et cette progestérone elle est
responsable de l'apparition de l'œstrus chez la rate et elle joue aussi un rôle important dans l'ovulation. Nous allons maintenant regarder la phase lutéale et nous allons voir que pendant la phase lutéale, c'est la production de progestérone qui domine. Comme tout à l'heure, on va comparer les taux d'hormones au cours du cycle sexuel féminin, puis ensuite au cours du cycle estrien de la rate. J'ai encadré ici en rouge les 14 jours que représente la phase lutéale chez la femme. Trois hormones qui sont mentionnées ici par trois figurés différents. On va commencer par la progestérone, donc la progestérone avec des tirés longs ici, donc cette courbe. On voit que la progestérone est sécrétée en quantité très élevée par le corps jaune. Les concentrations, vous voyez, sont exprimées ici en nanogrammes par millilitre. Et la concentration sanguine de progestérone suit l'évolution du corps jaune cyclique. Cette concentration de progestérone va augmenter en début de phase lutéale. Elle va atteindre un maximum au début de la seconde semaine post-ovulatoire, c'est-à-dire au moment où le développement du corps jaune cyclique est optimal, c'est-à-dire aux environs du 21e jour. Puis la concentration sanguine de progestérone va décroître et va redevenir minimale à la fin de la phase lutéale, donc vers le J28 ici, ceci étant une conséquence du processus de lutéolyse, c'est-à-dire de régression du corps jaune cyclique. La deuxième hormone qui est produite par le corps jaune chez la femme est l'estradiol, indiqué par un trait plein ici. On voit que les taux sanguins d'estradiol suivent en gros le même décours que les taux sanguins de progestérone. C'est-à-dire qu'on a une production d'estrogène qui se poursuit pendant toute la phase lutéale, avec un taux sanguin qui suit également l'évolution du corps jaune cyclique. Augmentation de l'estradiol quand le corps jaune se forme, maximum d'estradiol ici quand le corps jaune est à son développement optimal, puis diminution de la concentration d'estradiol au moment de la lutéolyse. Attention, les concentrations d'estradiol restent nettement inférieures à celles de progestérone. Attention ici, les unités sont des picogrammes par millilitre et non pas des nanogrammes. Les concentrations d'estradiol pendant la phase lutéale restent près de 100 fois moindres que celles de progestérone. Enfin, la troisième hormone dont je voulais vous parler, troisième hormone lutéale, c'est l'inhibine avec les petits pointillés. Eh bien, on a aussi une forte concentration d'inhibine qui est sécrétée par le corps jaune au cours de la phase lutéale. Et nous voyons que, comme pour les deux précédentes hormones, le taux sanguin d'inhibine suit aussi l'évolution du corps jaune cyclique. Nous allons, pour faire la comparaison, regarder la phase lutéale chez la rate et regarder les hormones lutéales produites chez la rate et leur décours au cours du temps. Alors, la première courbe qui m'intéresse, c'est la courbe progestérone avec un tiret long puis deux petits tirets, donc cette courbe ici-là. Eh bien, on voit qu'il y a au cours de la phase lutéale une présence de progestérone avec une augmentation de la production de progestérone. Cette progestérone, elle est produite par les corps jaunes cycliques. Cette augmentation de progestérone a lieu au cours, en gros, de la première moitié de la phase lutéale, c'est-à-dire en gros au cours du diestrus 1, et on a un maximum, voyez, de progestérone ici qui est atteint à la fin du diestrus 1. Et ensuite, on a une diminution brutale de la production de progestérone au cours de la seconde moitié de la phase lutéale, c'est-à-dire en gros pendant la matinée ici du diestrus 2, ceci étant dû à la régression fonctionnelle des corps jaunes cycliques. Les corps jaunes vont continuer à persister dans l'ovaire de la rate, mais ils ont cessé ici d'avoir une activité endocrine. Notons également que chez la rate, le corps jaune peut se maintenir, non pas comme ici un ou deux jours, mais une dizaine de jours, dans le cas d'un accouplement stérile. En effet,
En cas d'accouplement sans fécondation ou accouplement stérile, ce qui est mentionné ici par ASA, eh bien vous voyez qu'il y a maintien pendant une dizaine de jours de la production de progestérone par les corps jaunes de pseudo-gestation. Et donc c'est une façon ici de maintenir en vie le corps jaune pendant une durée beaucoup plus longue que ne le sont les corps jaunes cycliques. Notons que la prolactine sera évoquée plus tard dans son rôle dans le maintien de ces corps jaunes de pseudo-gestation. Après avoir vu que les taux sanguins d'hormones ovariennes subissent des variations cycliques, nous allons évoquer les effets des hormones stéroïdes ovariennes sur les voies génitales. Les stéroïdes ovariens agissent en fait sur de nombreux organes cibles, donc par exemple sur la paroi de l'utérus, sur les glandes du cervix, sur le vagin, sur les glandes mammaires, sur des centres cérébraux, notamment impliqués dans les régulations thermiques. Et du coup, ces nombreux organes cibles des hormones stéroïdiennes ovariennes auront un fonctionnement cyclique. On parlera du cycle de l'utérus, du cycle de la glaire cervicale, du cycle du vagin. Et ce fonctionnement cyclique est à chaque fois calqué sur le cycle des hormones ovariennes. C'est-à-dire que tous ces cycles des organes cibles sont en fait calqués sur le cycle ovarien de sécrétion endocrinienne. Alors, tous les effets que je vais vous présenter ici seront des effets des hormones stéroïdes sur les voies génitales et quelques rappels concernant le mode d'action des stéroïdes et je vous renvoie au mode d'action des androgènes que j'ai traité dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4. Alors, deux grands types de stéroïdes ici sont impliqués. Tout d'abord, la progestérone. Donc la progestérone, bien, elle a un mode d'action exactement comparable aux androgènes, c'est-à-dire c'est une hormone qui va utiliser des récepteurs de la grande famille des récepteurs à action nucléaire. Lorsque le récepteur de la progestérone n'est pas lié à la progestérone, donc c'est ce récepteur est en fait dans le cytoplasme et il est associé à des protéines HSP qui sont représentées ici en vert, qui sont les protéines de choc thermique. Et dans cet état, le récepteur de la progestérone est inactif. Après liaison de la progestérone à son récepteur, il y a dissociation des protéines HSP du récepteur. On va avoir ensuite une translocation du récepteur dans le noyau. Vous avez une séquence de localisation nucléaire qui permet au récepteur de la progestérone d'être déplacé dans le noyau. Vous avez également une dimérisation du récepteur associé à son ligand, qui est la progestérone. Et c'est sous forme de dimère, de récepteur associé à son ligand, que l'ensemble ici, ce dimère, va se fixer sur des séquences spécifiques présentes dans les régions régulatrices de certains gènes. Ces séquences régulatrices, ce sont des séquences qu'on appelle des éléments de réponse, PRE, ce sont des éléments de réponse à la progestérone, hein, des progestérone responsive elements. Donc le dimère récepteur de la progestérone va venir se fixer sur le PRE. Et cette fixation va permettre ensuite le recrutement de coactivateurs de transcription, ainsi que l'ensemble de la machinerie transcriptionnelle, donc ARN polymérase de type 2, etc. Et ce qui va conduire en général à une activation transcriptionnelle. Il peut y avoir aussi des répressions transcriptionnelles. Mais on se souviendra que la progestérone, comme tous les stéroïdes, exerce finalement des actions sur la transcription de gènes spécifiques. Deuxième mode d'action, c'est le mode d'action des estrogènes. Bien, c'est toujours le même type de mode d'action, puisque les estrogènes, c'est aussi des hormones stéroïdes. Donc, exemple, l'estradiol, ben, il va rentrer dans les cellules. Il va, toujours pareil, se fixer sur le récepteur des estrogènes, donc RE, et sous forme de dimère de récepteur,
Donc, ces dimères vont se fixer à une séquence régulatrice de l'ADN, une région des séquences régulatrices qu'on appelle une région ERE, un élément de réponse aux estrogènes. Et ensuite, toujours par la suite de la fixation de ce dimère de récepteur sur un ERE, vous allez avoir recrutement de coactivateurs transcriptionnels et ça va mettre en route l'ensemble de la machinerie transcriptionnelle, notamment l'ARN polymérase de type 2 et puis des facteurs d'élongation qui vont permettre la transcription de gènes cibles. Après avoir évoqué le mode d'action des stéroïdes ovariens, nous allons voir un premier exemple d'organe cible des hormones ovariennes qui est l'utérus et je vais vous présenter donc le cycle de l'utérus. Il existe en effet un cycle histologique de l'utérus qui est déterminé par le cycle des hormones stéroïdes ovariennes. Je vais vous présenter ce cycle chez la femme et notamment trois grandes périodes dans ce cycle. La première période, on l'appelle la phase proliférative. Alors, sur ce schéma général où sont mentionnées au centre les variations des taux d'hormones ovariennes, je vous ai calé ici ce qui représente la phase proliférative ou prolifératrice du cycle de l'utérus. Alors cette phase démarre avec la fin des règles, donc vers J4, J5. Je vous rappelle que J1 correspond au premier jour des règles. Et cette phase va se dérouler jusqu'à l'ovulation. Donc c'est une phase qui dure une dizaine de jours chez la femme. Et on note bien ici que l'hormone qui va avoir un effet essentiel, c'est l'estradiol, parce que c'est l'hormone dominante, hein, pendant la phase folliculaire. Alors quels sont les effets de cette hormone estrogène pendant la phase proliférative? Bien, cette hormone estrogène va agir sur les deux couches, sur les deux structures de la paroi de l'utérus. Tout d'abord, des effets sur le myomètre. Vous vous souvenez que le myomètre, c'est la partie musculaire de la paroi utérine, c'est la partie la plus externe constituée par du muscle lisse. Eh bien, les estrogènes vont rendre le myomètre de plus en plus contractile. Hein. Et du coup, au moment de l'ovulation, au moment où il y a le maximum d'estradiol, eh bien, c'est le moment où ce myomètre sera au maximum de sa contractibilité. Ceci dans le but de favoriser l'ascension des spermatozoïdes lors de l'ovulation à l'intérieur de la cavité utérine. Les estrogènes ont également un effet sur l'endomètre. Je vous rappelle que l'endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus, celle qui est tournée du côté de la lumière, celle qui est la plus interne. Alors ici, trois effets importants sur l'endomètre. Premièrement, les estrogènes vont exercer un effet sur la multiplication des cellules de l'endomètre. En fait, ils provoquent par le biais de l'IGF-1, qui est un facteur de croissance, la prolifération des cellules de l'endomètre, si bien que l'endomètre s'épaissit et on comprend bien donc le terme de phase prolifératrice. Le deuxième effet des estrogènes sur cet endomètre, c'est la formation de glandes, les glandes endométriales, qui sont des glandes en tube ici, et qui se forment par une invagination de l'épithélium de l'endomètre. Et enfin, troisième effet, les estrogènes ici vont augmenter la vascularisation de l'endomètre avec formation de vaisseaux, notamment d'artérioles, dans la muqueuse utérine. Enfin, notons qu'il existe aussi un effet des estrogènes à l'échelle moléculaire sur notamment l'utérus. En effet, je vous donne ici un résultat d'expérience conduite in vitro sur des cellules qui sont les cellules MCF7, qui sont des cellules d'une lignée de cellules tumorales mammaires. Et on a mesuré en fait le taux de récepteurs aux estrogènes et de récepteurs à la progestérone dans un milieu dans lequel on a placé des doses croissantes d'estradiol. Attention, les doses d'estradiol sont exprimées ici en coordonnées logarithmiques. Hein. Donc c'est le log de la concentration ici. Alors ce qu'on peut noter, c'est que l'estradiol
va activer en fait l'expression du gène du récepteur de la progestérone. Et vous voyez que on a une augmentation de la teneur en récepteur de la progestérone dans ces sur ces cellules, dans ces cellules sous l'influence de l'estradiol. Et on peut noter aussi que à des doses physiologique, l'estradiol va aussi activer la transcription du gène du récepteur de l'estradiol. Donc tout ça pour dire que finalement, l'estradiol stimule la synthèse des récepteurs à la progestérone et à l'estradiol. Et donc comme au cours de la phase proliférative, il y a de plus en plus d'estradiol, et bien du coup, il va y avoir de plus en plus de sensibilité aux estrogènes, mais surtout une sensibilité croissante de l'utérus à la progestérone, et en milieu de cycle, on a une concentration maximale en récepteur à la progestérone. On prépare en quelque sorte la deuxième partie du cycle, qui est la partie où la progestérone va être l'hormone efficace. Donc deuxième partie du cycle, ce qu'on appelle la phase sécrétoire ou la phase sécrétrice. On est toujours donc dans le cycle de l'utérus et on est calé ici en fait sur la phase lutéale, c'est-à-dire que cette phase va démarrer au moment de l'ovulation pour aller jusqu'à la fin du cycle menstruel, c'est-à-dire jusqu'à J28. Donc elle est calée, cette phase sécrétrice, sur la phase lutéale. Ici, on revoit bien les hormones importantes. C'est la progestérone qui a les effets majeurs parce que c'est la progestérone qui est l'hormone dominante de la phase lutéale. Alors, quels sont les effets de la progestérone sur la paroi de l'utérus? Eh bien, pendant la phase sécrétrice, la progestérone va exercer un effet tout d'abord sur le myomètre, donc sur le muscle lisse de l'utérus. Et là, on a une hormone qui est en opposition, qui est en antagonisme avec l'estrogène. En effet, la progestérone va inhiber l'aptitude à la contraction du myomètre. Elle va freiner la contractibilité du myomètre. Je vous présenterai dans le prochain chapitre le mode d'action de ces deux hormones sur la musculature lisse du myomètre. On est dans une phase dite de silence utérin, c'est-à-dire que l'utérus est au repos d'un point de vue contractile, et ce silence de l'utérus est favorable à une éventuelle implantation, l'implantation se faisant normalement à peu près à mi-parcours de la phase sécrétrice. Effet de la progestérone maintenant sur l'endomètre, donc quatre types d'effets. Premier effet, bien, sous l'influence de la progestérone, les mitoses de l'endomètre sont maintenant peu nombreuses. C'est en fait un effet indirect de la progestérone. La progestérone inhibe la prolifération des cellules de l'endomètre induites par les estrogènes parce que la progestérone augmente la production par l'endomètre d'une protéine de liaison à l'IGF-1 et du coup ça limite la disponibilité à l'IGF-1 et je vous avais dit tout à l'heure que l'IGF-1 était un médiateur de l'action mitogène de l'estradiol. Donc du coup on est en train de on n'est plus en phase de prolifération, mais on a finalement un endomètre qui ne s'épaissit plus. Deuxième type d'effet de la progestérone sur l'endomètre, c'est un développement considérable des glandes en tube qui s'allongent, qui deviennent tortueuses et qui vont se ramifier, si bien que si on observe en coupe transversale l'utérus, on va avoir quelque chose qui est extrêmement découpé. Par exemple, ici, sur cette coupe transversale d'utérus de Lapine, on voit ce découpage très fin de la muqueuse de l'utérine, de la muqueuse utérine par les glandes endométriales, et on parle de véritable dentelle utérine de l'endomètre. Troisième effet de la progestérone sur l'endomètre, c'est l'activité sécrétrice des glandes de l'endomètre. En effet, les cellules sécrétrices des glandes de l'endomètre vont se charger d'un épais matériel sécrétoire qui est riche en glycoprotéines, en glucides, notamment en glycogène, qui est riche aussi en acides aminés. Et ces cellules vont déverser leur contenu dans la lumière glandulaire par exocytose. Il s'agit ici d'une vraie sécrétion exocrine. Ces glandes en fait se chargent d'un liquide nutritif qu'on appelle parfois le lait utérin, et
Et ce liquide pourra jouer un rôle nutritionnel pour l'éventuel embryon avant la phase d'implantation et ensuite avant que le placenta ne s'installe. Donc finalement, cette phase sécrétoire, c'est une véritable préparation à une éventuelle implantation. On est en train de préparer la réception d'un embryon. Quatrième effet de la progestérone sur l'endomètre, c'est le développement considérable de la vascularisation. En fait, les artérioles vont s'allonger, leur longueur peut atteindre 10 fois l'épaisseur maximale de l'endomètre, et du coup, ces artérioles vont se spiraliser. On parle d'artérioles spiralées. Vers J21, on est au maximum de développement de l'endomètre, moment où l'endomètre est finalement épais, sécréteur, très vascularisé. Le moment de l'implantation est à peu près dans cette fourchette ici, J21, J22. On reviendra sur la notion de fenêtre d'implantation dans le prochain chapitre. Enfin, notons que la progestérone exerce aussi un effet sur l'utérus à l'échelle moléculaire. En effet, à l'inverse de l'estradiol, la progestérone va favoriser la disparition des récepteurs à la progestérone et des récepteurs à l'estradiol exprimés dans l'utérus. Il y a par exemple une expérience qui a été faite sur l'utérus de cobaye et qui montre qu'une seule injection d'estradiol entraîne une forte augmentation du nombre de récepteurs à la progestérone et du nombre de récepteurs à l'estrogène. Ça mime ce qui se passe en phase proliférative. Et ensuite, on voit que le récepteur de la progestérone décline progressivement, mais ce déclin est accéléré si on administre de la progestérone. Et du coup, se trouve illustré ici à l'échelle des récepteurs le principe à la fois de synergie d'action entre estrogène et progestérone, elles ont des actions communes, mais aussi d'antagonisme entre ces deux hormones ovariennes, puisqu'elles peuvent aussi avoir des effets tout à fait en opposition. Alors on va terminer le cycle de l'utérus avec la phase de menstruation, c'est-à-dire la phase des règles, qui est justement la phase caractéristique des espèces à cycle menstruel. Alors ces règles vont en fait démarrer premier jour du cycle, puisqu'on l'a dit par référence, le J1 d'un cycle est le premier jour d'apparition des règles, et cette phase de menstruation va se dérouler de J1 jusqu'à J4, J5 du cycle menstruel. Alors, le déterminisme de ces règles, le déclencheur de ces règles, c'est en fait la chute brutale des taux d'hormones stéroïdes ovariennes, c'est-à-dire la chute de progestérone et la chute d'estrogène, en fin de phase lutéale, par suite de la régression du corps jaune cyclique. Hein. Et notamment, cette chute d'hormones ovarienne ne va plus ne sera responsable finalement du déclenchement des règles parce que l'endomètre n'est plus maintenu par ces hormones ovariennes. Et notamment, une hormone qui va jouer un rôle clé, c'est la progestérone. La chute de progestérone va jouer un rôle très important dans le déclenchement des règles, dans le déclenchement de l'élimination des couches externes de l'endomètre avec les vaisseaux qui l'accompagnent. Souvenons-nous que les règles, c'est à la fois une perte de cellules mortes, mais aussi une perte de sang, une hémorragie. Et on se souviendra que, à part chez les primates à cycle menstruel, comme la femme, l'élimination des couches externes de l'endomètre en fin de cycle existe chez les mammifères, mais n'entraîne pas d'hémorragie. Et attention, par exemple, chez la chienne, qui a des pertes sanguines également, en fait, au moment de la phase du proestrus, ce sont en fait des pertes sanguines vulvaires. Et ces pertes proviennent de l'utérus, mais elles sont dues à la diapédèse des hématies à travers l'endomètre, qui est causée par la congestion de l'utérus, mais ce ne sont pas des règles au même titre ici que chez la femme. Alors, le tout premier événement dans le déclenchement de ces règles, de ces menstruations, c'est en fait la destruction des lambes basales et des matrices extracellulaires
dans l'endomètre. Et cette destruction des lames basales met en jeu des enzymes spécifiques de la menstruation, ici, qui sont des enzymes qu'on appelle des métalloprotéases, les MMP pour matrix métallo. Protéases, et ce sont elles qui vont être responsables en fait de ces destructions. L'expression de ces enzymes va augmenter brutalement juste avant et pendant la menstruation. Et il y a un lien avec la chute de progestérone dont je vous parlais tout à l'heure. En effet, la progestérone inhibe l'expression des MMP. C'est-à-dire que la chute de progestérone due à la luthéolyse va provoquer une élévation brutale de ces métalloprotéinases. Alors en fait, ces métalloprotéinases sont libérées sous la forme de précurseurs inactifs et elles doivent subir un clivage. Et ce clivage met en jeu notamment des cellules qui vont intervenir ici, qui sont des mastocytes et qui interviennent dans ces transformations, dans ces cascades réactionnelles. Donc le premier événement des règles, on l'a dit, le premier événement de la menstruation, avant même les phénomènes vasculaires, c'est l'activité des métalloprotéases et donc la destruction des lames basales. Il apparaît aussi que la menstruation est le résultat d'une réaction inflammatoire. Donc réaction inflammatoire, vous vous rappelez, c'est notamment quand il y a un gonflement. Et en effet, cette réaction inflammatoire est caractérisée ici aussi par un œdème, mais aussi par une invasion leucocytaire et aussi par l'activation des mastocytes dont je vous parlais tout à l'heure. Troisième point que je voulais évoquer avec vous sur les règles sont des processus vasculaires. Notamment, on observe pendant la phase de menstruation des processus de vasoconstriction intense des artérioles spiralées, suivi de ruptures vasculaires localisées. Et ces ruptures de vaisseaux ont finalement deux conséquences. Une première conséquence, ça déclenche une ischémie de l'endomètre, c'est-à-dire une interruption de l'irrigation sanguine qui permet de nourrir les cellules de l'endomètre. Et ceci va donc entraîner la mort des cellules endométriales. On a pu notamment mettre en évidence l'existence d'une apoptose, d'une mort cellulaire programmée, dans les cellules de l'endomètre au moment des règles. Et puis la deuxième conséquence de ces ruptures vasculaires, c'est l'apparition de foyers d'hémorragie. Et ces foyers d'hémorragie finissent par confluer pour produire l'écoulement menstruel. Enfin, je voulais vous parler d'une prostaglandine. On avait parlé déjà de prostaglandine quand on avait vu les sécrétions des vésicules séminales chez l'homme. On verra pratiquement dans chaque grand processus de la reproduction intervenir les prostaglandines. Bien ici, c'est le rôle de la prostaglandine PGF2 alpha qui est produite par l'utérus. On verra sa participation notamment par exemple à l'accouchement. Eh bien, cette prostaglandine, elle est responsable de la vasoconstriction des vaisseaux de l'endomètre. Donc elle joue un rôle dans les vasoconstrictions des artérioles. Mais elle joue aussi un rôle contractant sur le myomètre. Et elle est responsable aussi de faibles contractions du myomètre. Ces faibles contractions participant, facilitant l'expulsion du sang et des débris de l'endomètre au moment des règles. Donc finalement, la conséquence de cette menstruation, eh bien, c'est l'élimination du tissu endométrial dégénératif, qui est éliminé en même temps que le sang menstruel issu des artérioles spiralées, et les contractions de ces artérioles permettent quand même de limiter l'écoulement sanguin. Nous avons terminé ce cycle qui est le cycle de l'utérus et suite aux menstruations, eh bien on aura à nouveau une reconstruction de l'endomètre et on redémarrera ici un nouveau cycle de l'utérus. Nous venons de voir le cycle de la paroi utérine et notamment je vous ai montré que pendant la phase lutéale, sous l'influence de la progestérone,
L'endomètre faisait l'objet d'une différenciation fonctionnelle importante concernant l'épithélium, concernant les glandes et leurs sécrétions, et concernant aussi le système vasculaire. En l'absence de fécondation, un nouveau cycle utérin démarre, et sous l'action de l'estradiol, se produit notamment un renouvellement de la partie de l'endomètre qui s'était desquamée au moment des règles. Je vais maintenant vous parler d'un autre cycle qui est le cycle de la glaire cervicale, qui est un cycle en fait d'activité sécrétoire du col de l'utérus. Alors particulièrement chez la vache, la brebis, la femme, que je prendrai pour exemple ici, pendant la période périovulatoire, le col de l'utérus sécrète en abondance un mucus qui est libéré dans le vagin, mais qui est aussi libéré dans l'utérus, et qui va jouer un rôle important dans le cheminement des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus. Les glandes du cervix, ici, sont responsables de la sécrétion de ce mucus. Ce mucus, on l'appelle la glaire cervicale. Et cette glaire cervicale va jouer un rôle important dans le contrôle du passage des spermatozoïdes. Du coup, ces caractéristiques physico-chimiques ont été particulièrement bien étudiées et je vais vous présenter le cycle de cette glaire cervicale chez la femme. Alors, quelques mots sur la structure de la glaire cervicale à partir ici d'observations en microscopie électronique à balayage. Vous avez ici le réseau de la glaire cervicale qui a été observé dans une partie du cycle qui n'est pas l'ovulation. Alors la glaire cervicale, c'est un hydrogel complexe qui est constitué par deux phases. Une phase liquide qui est très riche en eau, mais qui contient aussi des polysaccharides, des oses, des acides aminés, des protéines, des enzymes, des sels minéraux, sodium, potassium, chlore. Et puis la glaire cervicale est également constituée par une phase solide qui est formée par des glycoprotéines mucineuses, qu'on appelle les mucines, et qui ont une structure filamenteuse, une structure fibrillaire, qu'on voit ici, une structure qui est organisée en réseau. Et je vais vous montrer que ce réseau va varier au cours du cycle, et notamment sous l'influence des hormones ovariennes. Alors, sur ce schéma, je vous ai rappelé le transport des spermatozoïdes dans les voies génitales, d'abord de l'homme ici et ensuite de la femme. Cette partie a été évoquée dans le précédent chapitre, on va la résumer ici. Les spermatozoïdes sont produits par le testicule, c'est le processus de spermatogénèse. Puis ils sont transportés dans le canal de l'épididyme, où ils subissent notamment une maturation importante avec acquisition de leur mobilité, notamment aussi une décapacitation, un stockage. Ils sont transportés ensuite dans le canal déférent et ils vont être associés au moment de l'éjaculation au liquide séminal produit par les glandes annexes telles que les vésicules séminales ou la prostate. Le sperme est éjaculé au moment d'un rapport sexuel dans le vagin de la femme. Et bien la glaire du cervix constitue un mucus filtrant que les spermatozoïdes doivent traverser pour passer dans la cavité utérine. Notons que l'alcalinité du mucus cervical est plutôt en opposition avec l'acidité du vagin et l'acidité également de l'utérus. Les sécrétions vaginales et utérines sont plutôt acides alors que la glaire est plutôt alcaline. Cette alcalinité est assez stable pendant le cycle. Simplement, il y a une faible augmentation de l'alcalinité de la glaire au moment de l'ovulation. Alors notons que ce sont des variations dans la structure et la disposition spatiale des glycoprotéines de type mucine présentes dans la glaire qui vont déterminer la viscosité du mucus cervical et qui vont déterminer sa pénétrabilité par les spermatozoïdes. Et vous comprenez bien que au moment de l'ovulation, eh bien c'est le moment préférentiel pour faire passer des spermatozoïdes dans la cavité utérine en vue d'une éventuelle fécondation. Alors je vais vous montrer les variations de la structure de la glaire au cours du cycle, en sachant que la production de la glaire cervicale est fortement liée aux hormones stéroïdes ovariennes. L'estradiol induit
la production du mucus cervical, alors que la progestérone, au contraire, inhibe la production du mucus cervical. Alors, la première phase du cycle de la glaire est ce qu'on appelle la phase filante. Cette phase est superposée à la phase folliculaire, c'est-à-dire elle se déroule du premier jour du cycle ovarien, c'est-à-dire premier jour des règles, jusqu'à J14, jour de l'ovulation. Et nous avions vu que au cours de ces 2 premières semaines du cycle, il y avait une augmentation progressive de la sécrétion d'estradiol par l'ovaire. C'est sous l'influence de cette augmentation d'estradiol que nous allons avoir des modifications de la glaire cervicale. Alors, en début de phase filante, ici à J5 du cycle, on regarde le réseau de glaire cervicale en microscopie électronique, on voit que la glaire est plutôt épaisse, visqueuse, et le réseau que forment ces glycoprotéines de mucine est ici serré. Et puis, sous l'influence de l'augmentation d'estradiol, la glaire cervicale est de plus en plus sécrétée. Son volume de sécrétion sera multiplié par 10 au moment de l'ovulation. Sa teneur en eau va également augmenter. On va atteindre jusqu'à 98% d'eau dans le mucus au moment de l'ovulation, donc à J14. Et puis on observe aussi que les mailles du réseau vont être de plus en plus larges. Elles s'élargissent, vous voyez, et on observe ici, au moment de l'ovulation, que les mailles sont maximales, très élargies, et également sont des mailles orientées. Ici, sur ce tableau, on peut suivre les propriétés physiques de la glaire au cours, tout d'abord, de la phase filante. Et bien, au début du cycle, donc au moment des règles, la densité de la glaire est maximale. Elle est notée 5 ici, glaire visqueuse. Et on voit qu'au cours de cette première partie du cycle de la glaire, eh bien, la densité de la glaire décroît, donc de 5 à 1, 1 étant mentionné pour une glaire de fluidité maximale. Et puis vous avez ici indiqué la dimension des mailles du réseau de mucine, et on voit que progressivement, au cours de cette phase, eh bien, il y a une augmentation du diamètre des mailles qui vont passer, vous voyez, de 0,5 à 12 microns. On peut aller jusqu'à 30 micromètres de diamètre pour les mailles de ce réseau. Alors, quel est l'intérêt de cette évolution de la glaire? Eh bien, au moment de l'ovulation, le réseau de glaire est le plus ouvert, et du coup, ces glycoprotéines de mucine forment un réseau dont les mailles élargies et orientées vont favoriser l'entrée des spermatozoïdes dans la cavité de l'utérus. Et puis, on peut également noter que l'orifice du cervix est momentanément élargi au moment de l'ovulation par un relâchement de la musculature du col de l'utérus. Et cette ouverture du cervix au moment de l'ovulation est notamment contrôlée par des prostaglandines, notamment les prostaglandines PGE1 et PGE2. Donc, vous voyez, un col ouvert, une glaire claire et filante, tout ça favorise l'entrée des spermatozoïdes, et donc la finalité est de favoriser une fécondation. On a terminé la phase filante, où la glaire était de plus en plus claire. Nous allons voir la deuxième partie du cycle de la glaire cervicale, qu'on appelle la phase visqueuse. On est ici superposé à la phase lutéale, donc on est entre J15 et J28 du cycle ovarien de la femme. Alors ici, c'est la progestérone qui a l'influence dominante, progestérone produite par le corps jaune. Alors chez la femme, nous avons vu que le corps jaune produisait aussi de l'estradiol, mais l'estradiol lutéal n'entraîne pas de modification ici sur les sécrétions de la glaire en raison de la présence des taux élevés de progestérone au même moment. Donc c'est une influence de la progestérone importante au moment de la phase visqueuse. Sous l'influence de la progestérone, la glaire cervicale est de moins en moins sécrétée et elle va retrouver progressivement sa consistance visqueuse. Les fibrilles vont former à nouveau un réseau dont les mailles sont de plus en plus serrées.
On a ici une observation à J21, donc au milieu de la phase lutéale, et vous voyez qu'on a retrouvé un réseau serré de glycoprotéines de mucine. Alors l'intérêt ici, c'est de s'opposer à la pénétration utérine des spermatozoïdes. On est en train de fermer finalement le compartiment utérin par rapport au compartiment vaginal. On peut regarder la deuxième partie de ce tableau. Entre J15 et J28, on voit que la densité de la glaire repasse de 1 à 5, donc elle est en train de repasser d'un état fluide à un état visqueux, un état épais, et on voit que les dimensions des mailles du réseau sont en train de diminuer. On va repasser, vous voyez, de 12 à 0,5 microns. Notons également que pendant cette phase visqueuse, le col de l'utérus va acquérir à nouveau une consistance plus ferme. Alors on peut ici conclure sur ce cycle de la glaire à travers cette illustration. Eh bien, le cycle de la glaire, c'est donc deux étapes. Une première phase qui est conditionnée par l'augmentation de l'estradiol au cours de la phase folliculaire. Cette augmentation d'estradiol conduit au passage d'une glaire plutôt visqueuse qui emprisonne, vous voyez ici, un spermatozoïde, on voit la tête d'un spermatozoïde qui est piégé dans la glaire, a une glaire qui est au maximum de sa pénétrabilité par les spermatozoïdes au moment de l'ovulation, c'est-à-dire au moment où on a un maximum d'estradiol ici. Et puis la deuxième phase, la phase visqueuse, calée sur la phase lutéale, sous l'influence de la progestérone ici produite par le corps jaune en très grande quantité. Eh bien, la glaire retrouve sa consistance visqueuse et, vous voyez, peut emprisonner à nouveau des spermatozoïdes qui tentent de franchir cette barrière. Alors, notons qu'au cours de la grossesse, il y a une augmentation de la concentration plasmatique de progestérone chez la mère, progestérone qui va être notamment produite, on le verra, par le placenta. Eh bien, cette progestérone va exercer toujours ce même effet sur les glandes du cervix, ce qui permet d'avoir une glaire formant un bouchon muqueux qui obstrue ici le cervix, qui isole finalement le compartiment utérin dans lequel la gestation s'effectue du compartiment vaginal. C'est une façon en fait d'isoler le fœtus pendant toute la grossesse. C'est un bouchon qui va être perdu, hein, au moment de la naissance, au moment de la parturition. Alors pour terminer, mais notons que les contraceptifs oraux contenant un progestagène provoquent la formation d'une glaire épaisse, s'opposant au passage des spermatozoïdes, et donc c'est une façon d'éviter la fécondation. C'est d'ailleurs l'action essentielle des micropilules qui sont à base de progestagène très faiblement dosés, type désogestrel. Par exemple, la pilule Cérazette contient ce progestagène à très faible dose. Et ces micropilules ne modifient pas sensiblement l'activité ovarienne en raison des faibles concentrations ici d'hormones stéroïdes, mais par contre, elles ont toujours cet effet de maintien d'une glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes. Nous avons terminé le cycle de la glaire cervicale et je vais vous montrer qu'il existe d'autres cycles des voies génitales. Nous allons voir le cycle vaginal. Je vais maintenant vous parler d'un autre cycle des voies génitales femelles qui est le cycle vaginal. Nous avons vu chez la femme, au cours du cycle menstruel, le renouvellement périodique de la muqueuse utérine. Eh bien, au cours du cycle menstruel, il existe aussi un renouvellement à chaque cycle de la muqueuse vaginale chez la femme. Cette muqueuse vaginale se renouvelle aussi à chaque cycle estrien et j'ai choisi plus particulièrement de vous parler du cycle vaginal d'une espèce à cycle estrien qui est la rate. Alors pourquoi avoir choisi la rate? Eh bien, c'est seulement chez la rate que les changements concernant l'histologie de la muqueuse vaginale sont tellement tranchés qu'ils permettent de reconnaître sur la simple base de l'observation d'un frottis vaginal, qui permettent de déterminer le jour précis du cycle estrien auquel on est.
Alors, je vous rappelle quels sont les 4 jours du cycle de la rate. Tout d'abord, le jour du proestrus. Vous vous rappelez que le jour du proestrus, ça correspond notamment à la montée d'estrogène produit par les follicules en maturation terminale. Et puis, suite à la montée d'estrogène, on y reviendra, vous avez dans l'après-midi et en fin de proestrus un pic de LH sur lequel on reviendra. Ensuite, vous avez le jour de l'estrus. Donc, le jour de l'estrus, ben, notamment, il démarre par le comportement d'acceptation du mâle, le comportement de chaleur d'estrus. Et vous rappelez que l'ovulation, la polyovulation, a lieu vers 2-3 heures du matin, le jour de l'estrus. Et puis, les 2 autres jours du cycle, diestrus 1, diestrus 2, ils correspondent notamment à la phase d'activité de corps jaune cyclique. Alors ici, on va observer les frottis vaginaux de rate au cours des 4 jours du cycle estrien. Et on va regarder ici, eh bien, chacun des jours du cycle, on va commencer par ici, petit a, qui correspond au jour du proestrus. Alors durant la matinée du premier jour du cycle, donc la matinée du proestrus, au moment où on a le pic d'estrogène, eh bien, le frottis vaginal est composé uniquement de cellules épithéliales rondes. Et puis, dans la fin du jour du proestrus, on va avoir un pic de LH. Et après le pic de LH, eh bien, ces cellules épithéliales rondes vont faire place à des cellules kératinisées. On a une kératinisation qui est quelque chose d'important chez la rate. Ce processus de kératinisation, par exemple, n'existe pas chez la femme. Et enfin, dans les dernières heures de la soirée du proestrus, vous allez avoir uniquement des cellules kératinisées. Et la présence de seules cellules kératinisées coïncide avec le début de l'estrus comportemental. Donc on est maintenant dans le début de ce comportement d'acceptation du mâle qui persiste, vous vous souvenez, pendant les premières heures du jour de l'estrus. Donc on est maintenant ici en B. B, c'est le jour de l'estrus. Alors l'ovulation, on l'a dit, a lieu très tôt le matin de l'estrus. Et quand apparaissent dans la matinée de l'estrus, au milieu des cellules kératinisées, quelques polynucléaires, hein, à ce moment-là, on pourra en déduire que l'ovulation a eu lieu. C'est une polyovulation. Il y a plusieurs ovocytes 2 qui ont été émis par l'ovaire. Ensuite, durant les 2 jours suivants, donc petit c, c'est le diestrus 1 et petit d, le diestrus 2, les frottis vaginaux contiennent à la fois des cellules kératinisées, des polynucléaires et quelques cellules épithéliales rondes. Alors attention, on n'observe pas dans le frottis vaginal d'autres mammifères des populations cellulaires aussi homogènes, permettant sur l'observation juste d'un frottis d'identifier la date du cycle, d'identifier les stades du cycle. On va maintenant résumer ce cycle du vagin en se servant ici de coupe du vagin, de coupe histologique. Ici, on est au moment du proestrus. Donc en fait, ben, pendant le proestrus, donc on est en phase folliculaire, eh bien, il y a une division des cellules de la couche basale de la muqueuse vaginale. On est en fait en phase proliférative. C'est sous l'influence des estrogènes. Donc la muqueuse vaginale s'épaissit par multiplication cellulaire importante. Et donc on est dans une phase de construction ici, un peu comme on l'avait vu dans l'épaississement de l'endomètre sous l'influence des estrogènes. Donc la muqueuse utérine s'épaissit. Et puis on va regarder maintenant coupe de vagin au moment de l'estrus, ici chez la rate. Alors ici, ben, les cellules des assises superficielles se kératinisent. Et ce que vous observez ici en jaune, eh bien, ça correspond à la couche de kératine qui est en train de se desquamer en partie dans la lumière vaginale. Donc cette kératinisation des cellules épithéliales superficielles se fait donc pendant l'estrus chez la rate. On l'a dit, on n'a pas de kératinisation chez la femme. On rentre dans la deuxième phase du cycle vaginal, qu'on appelle la phase de desquamation. Sous l'influence de la progestérone, on est pendant le diestrus 1 et diestrus 2 de la rate, eh bien, il y a interruption des divisions cellulaires.
Donc ça rappelle aussi ce qu'on avait vu pour l'endomètre, où sous l'influence de la progestérone, on arrêtait d'épaissir l'endomètre. Donc interruption des divisions cellulaires. Les cellules kératinisées vont se desquamer, donc on a une desquamation de ces cellules. Et puis les polynucléaires, donc qui sont des globules blancs, vont venir envahir la lumière vaginale et vont venir détruire les cellules kératinisées, desquamées. On a fini avec ce cycle vaginal. Je voulais évoquer aussi l'existence dans le vagin de bactéries particulières qu'on appelle les bactéries de Döderlein. Alors ces bactéries de Döderlein, qui sont visualisées ici sur des squames de cellules épithéliales du vagin, ces bactéries sont présentes en quantité maximale dans le vagin lors de l'ovulation, puis pendant une grande partie de la phase lutéale. Le glycogène, qui provient de la desquamation des cellules épithéliales vaginales, est également présent en quantité maximale pendant cette période. Et le catabolisme anaérobie du glycogène par ces bactéries de Döderlein conduit à une importante libération d'acide lactique, si bien que le pH vaginal est minimal pendant l'ovulation et également minimal pendant la première semaine de la phase lutéale. Je vous avais dit qu'il y avait un contraste entre l'acidité vaginale et l'alcalinité de la glaire au moment de l'ovulation. Alors on a terminé la présentation des cycles des voies génitales femelles, mais sous l'influence des variations hormonales des stéroïdes ovariens, d'autres organes subissent des modifications cycliques, et notamment c'est le cas des seins, et on reviendra sur l'évolution des seins dans les vidéos consacrées à la lactation. Alors en fait, il existe ce qu'on peut appeler un cycle des glandes mammaires. En effet, les seins subissent de faibles modifications au cours du cycle sexuel féminin, par exemple. Pendant la phase lutéale, la circulation sanguine est plus intense dans les seins et les cellules épithéliales sécrétoires, qui vont constituer les acinies mammaires, vont se diviser, ce qui va provoquer le très léger gonflement des glandes mammaires, caractéristique de la période prémenstruelle. Cette évolution discrète des glandes mammaires constitue les prémices d'un processus visant à préparer les seins à une éventuelle lactation. En l'absence de fécondation et donc en l'absence de gestation, cette évolution des glandes mammaires est réversible. Ainsi, les canaux galactophores que vous avez présentés ici, sur lesquels on reviendra, ainsi que le volume des seins régressent très légèrement pendant la phase de menstruation. On peut noter qu'une mort cellulaire par apoptose se produit dans les cellules épithéliales des glandes mammaires au cours de chaque cycle menstruel, et cette mort cellulaire programmée par apoptose vient en quelque sorte équilibrer leur prolifération. Je voulais vous montrer, pour terminer cette vidéo, que les stéroïdes ovariens exerçaient également des effets sur le système nerveux central, et j'ai choisi deux exemples ici d'effets. Premièrement, un effet sur l'acquisition d'un comportement d'estrus chez les espèces à cycle estrien, et on l'illustrera notamment par l'exemple de la rate et l'exemple de la brebis. Alors nous avons vu que chez les espèces à cycle estrien survenait de façon cyclique une phase dite de chaleur, une phase de réceptivité sexuelle de la femelle. Et on a vu aussi que chez les espèces dites à ovulation provoquée, il y avait aussi une phase de chaleur. C'était la chatte, la lapine par exemple. Nous avions vu qu'il y avait une phase de chaleur qui, si elle est suivie d'une copulation, déclenche l'ovulation. Alors chez ces espèces qui ont un comportement d'estrus, bien si on fait une expérience d'ovariectomie, donc par exemple chez la rate, eh bien on va avoir rapidement une abolition complète de la réceptivité sexuelle de la femelle. C'est-à-dire que les femelles n'acceptent plus d'être montées par le mâle, elles ne sollicitent plus les mâles, elles n'ont plus ce comportement, par exemple, de lordose, hein, chez la rate. Hein.
Chez la brebis, ça se manifeste, le comportement sexuel, par des réponses actives de poussée, d'obstruction, de mordillement de la part des brebis. Et c'est la même chose si on fait une ovariectomie de la brebis, ben on va voir disparaître ce comportement particulier d'estrus. Alors on peut restaurer ce comportement sexuel femelle de façon rapide par l'administration d'estradiol, ce qui prouve que l'estradiol est une hormone importante dans le déclenchement de l'estrus comportemental, donc estrogène, hein, estro, ça vient de déclenchement d'estrus, la montée en fait d'estradiol pendant la phase préovulatoire est responsable de l'estrus comportemental. Les estrogènes sont les hormones de l'estrus. Mais on observe que, aussi bien chez la rate que chez la brebis, pour obtenir un comportement d'estrus, il faut aussi injecter de la progestérone. Hein. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi finalement il y a cette double action d'hormones dans le comportement d'estrus. Ici on va regarder le cycle estrien de la rate avec mentionné ici deux hormones ovariennes, en rouge l'estradiol. Et en vert, la progestérone. Alors ici, entre moins 1 et 0, ça correspond au proestrus. On a une montée d'estradiol qui correspond à la maturation de follicules terminaux. Ici, on a un pic d'estradiol qui est important dans le déclenchement de l'estrus. Mais on a aussi, à la fin du proestrus, une montée de progestérone, dont je vous ai déjà parlé. Et cette montée de progestérone joue un rôle déterminant dans le déclenchement du comportement sexuel femelle. Et vous avez dans cette bande verte ici, la matinée notamment du jour de l'estrus, où vous avez une activité sexuelle possible et vous rappelez où il y a une ovulation vers 2 ou 3 heures du matin. Donc du coup, l'estrus comportemental met en jeu les estrogènes, mais il peut mettre aussi en jeu la progestérone, d'où l'importance dans les expériences d'ovariectomie chez la rate, par exemple, bien de compenser par une administration et d'estradiol et de progestérone pour retrouver un comportement sexuel femelle. Alors chez les espèces à cycle estrien, ces aspects du comportement sexuel femelle peuvent être aussi sous la dépendance d'un rythme. Par exemple, chez la rate, ces aspects du comportement sont sous la dépendance d'un rythme circadien. Chez la rate, on vient de le voir, l'estrus comportemental a lieu pendant la nuit. Hein, l'ovulation, on l'a dit, 2 heures du matin, il y a une influence de la photopériode sur laquelle on reviendra. Et de même, les cycles estriens de la brebis sont sous la dépendance d'un rythme qui est un rythme saisonnier. En effet, les cycles estriens de la brebis ne reprennent qu'en automne, et donc il y a un cycle saisonnier de reproduction, la reproduction se faisant d'octobre en novembre jusqu'au début du printemps, et puis ensuite il y a un blocage de la fonction de reproduction. Alors, de même chez la brebis, si on fait une expérience d'ovariectomie, si on supprime donc les ovaires ici de la brebis, eh bien le comportement d'estrus va disparaître. Donc ça montre bien l'importance des hormones ovariennes dans le déclenchement de l'estrus. Et on pourra restaurer ce comportement d'estrus par un traitement approprié par des hormones ovariennes et plus précisément par une administration de progestérone suivie ensuite par de l'estradiol. Alors comment l'expliquer ici? Eh bien, lorsque la brebis va débuter le premier cycle de la saison, donc après l'interruption pendant la période estivale, bien à l'automne, lors du premier cycle de la saison, on a une ovulation, mais une ovulation sans estrus comportemental, ce qu'on appelle une ovulation silencieuse, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'ovulation, mais la femelle n'accepte pas le mâle. Alors, au cours de ce premier cycle qui reprend, donc dans la saison automnale, eh bien en fait, les ovaires ont produit des estrogènes pendant la phase folliculaire, qui est courte hein, chez la brebis, mais il n'y a pas eu de progestérone depuis longtemps, puisqu'il n'y a pas eu de phase lutéale depuis ben, les dernières gestations ici de la brebis. Et donc ça montre que l'estradiol reste incapable à lui seul de déclencher le comportement d'estrus de la brebis. Mais par contre,
Lors du deuxième cycle de la saison, on n'a plus d'ovulation silencieuse, mais on aura une ovulation et un estrus comportemental. Pourquoi? Ben parce que le système nerveux central a été imprégné par la progestérone lutéale du premier cycle qui a eu lieu juste avant. Et donc ça explique que si chez une brebis ovariectomisée, on veut restaurer le comportement d'estrus, il faut administrer de la progestérone et ensuite de l'estradiol, parce qu'en quelque sorte, on imite la fin d'une phase lutéale en éjectant la progestérone, suivie d'une courte phase folliculaire menant à l'estrus au cours du cycle normal par l'injection d'estrogène. Alors, on a ici mis en évidence l'influence des stéroïdes ovariens sur le système nerveux central, sur le comportement sexuel d'estrus, et je voulais vous montrer l'existence d'un autre type de cycle mettant en jeu les hormones stéroïdiennes ovariennes et avec une action sur le système nerveux central. En effet, il existe chez la femme une activité cyclique thermique hein, qui est présentée ici. Elle peut être mise en évidence chez la plupart des femmes par la simple mesure de la température corporelle prise le matin au réveil. Alors on va regarder ici entre J1 et J14, donc pendant la phase folliculaire, et bien on voit que la température corporelle oscille ici entre 36,5 et 36,7. Et puis on observe que après l'ovulation, donc pendant la phase lutéale entre J15 et J28, et bien cette température va s'élever légèrement d'environ 0,5 degrés. On a une température, vous voyez, qui oscille aux alentours ici de 36,9. Et puis, après les règles, eh bien, cette température élevée corporelle va revenir à sa valeur initiale de 36,5. Donc, il existe un cycle thermique de la femme. Et en fait, c'est une action, encore une fois, des stéroïdes ovariens. Et notamment, eh bien, sous l'action de la progestérone en phase lutéale, qui agit directement sur les zones hypothalamiques responsables de la thermorégulation, on a une régulation du thermostat qui est un petit peu en dessus de la valeur qu'on a pendant la phase folliculaire. Et sous l'action des estrogènes, au contraire, on a un abaissement du thermostat hypothalamique et du coup un abaissement de la température corporelle. Alors voilà, je vous ai montré deux exemples d'effets des stéroïdes ovariens sur le système nerveux central. Nous aurons l'occasion de consacrer la quatrième partie de ce chapitre 5 à un autre type d'effet des hormones ovariennes sur le système nerveux central. Ce sont les effets des hormones ovariennes, estrogènes, progestérone, sur l'axe gonadotrope, hein, sur la régulation de la sécrétion de GnRH et de FSH et de LH. C'est la notion de rétrocontrôle exercé par les hormones ovariennes. Et c'est un thème important qui nous prendra la totalité de la quatrième vidéo consacrée à ce chapitre 5. Et donc on reviendra sur l'effet des hormones ovariennes sur l'axe gonadotrope. On verra des rétrocontrôles négatifs, comme ici par exemple, mais on verra aussi des rétrocontrôles positifs. Voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième partie du chapitre 5. J'ai essayé de vous montrer que les ovaires avaient une activité de production d'hormones, notamment de production d'estradiol et de progestérone. Je vous ai montré que les hormones ovariennes étaient produites de façon cyclique avec des taux variables au cours du cycle. Et donc il y avait en permanence des quantités différentes de ces deux stéroïdes ovariens dans le sein de la femelle. Et du coup, l'existence d'un cycle de sécrétion hormonale ovarienne avait pour conséquence l'existence de cycles des organes cibles de ces hormones ovariennes. Et je vous ai présenté notamment ben, le cycle de l'utérus, mais on a vu aussi le cycle du vagin, on a vu le cycle de la glaire cervicale, je vous ai présenté aussi le cycle thermique, cycle des glandes mammaires. Et donc tous ces cycles, finalement, des organes cibles des hormones ovariennes, sont tous déterminés ben, par cette espèce d'horloge principale que constitue le cycle ovarien. Alors, cette présente vidéo vous a conduit à voir que les ovaires contrôlaient, par le biais d'hormones ovariennes, d'autres organes.
utérus, vagin, etc. Et dans la prochaine vidéo, donc la troisième partie du chapitre 5, je vous montrerai exactement l'inverse. Hein. C'est-à-dire, je vous montrerai que les ovaires sont soumis à l'influence d'hormones régulatrices, notamment LH et FSH, produits par l'hypophyse sous contrôle de GnRH. Et je vous montrerai que l'axe gonadotrope est un axe majeur dans la régulation des différentes phases du cycle, donc dans la régulation de la phase folliculaire, dans la régulation de l'ovulation, dans la régulation de la phase lutéale. On verra notamment les profils de sécrétion de FSH et de LH au cours du cycle. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de ces enseignements de physiologie animale. Et je vous retrouve donc dans la troisième partie du chapitre 5 pour étudier ensemble la régulation des activités ovariennes.